Les lambris grisés anti-nucléaires sont issus des accélérateurs linéaires. Non. Des cyclotrons. Non. Non. Les lambris utilisés sont issus d'isotopes radioactifs. Donc je prends des isotopes radioactifs, des produits de fusion, non, des tubes ioniques, non. Donc il n'y a que des isotopes radioactifs. En radiologie conventionnelle, le front préféré dégage 4 modalités. Oui. Se dégrade chez les sujets obèses. Oui. Parce que la masse diffusante des graisses est importante, donc vous allez avoir plein de photons diffusés. On va réduire donc le contact. S'améliore quand on augmente la tension du tube. Non, on dirait que ça diminue quand on utilise des tubes agrofriés, ça n'a rien à voir, permet de stimuler plusieurs tonalités dans le tissu ou l'air. Donc voilà ce qu'il y a à choisir. Le flou cinétique d'une image avec le peut être utilisé en immobilisant le patient, oui. Utilisant des tubes à petit foyer, ça n'a rien à voir, ça on réduit le flou géométrique. Réduisant le temps de pause, oui. Augmentant la sensibilité des enregistrateurs, non. Et diminuant la distance du récepteur, ça n'a rien à voir, c'est tout le flou géométrique. Voici l'immobilisation et la réduction du temps de pause qui nous intéresse. Il faut l'apprendre. Le flou cinétique en réduisant le temps de pause. C'est bon. En radiologie conventionnelle, la grille antidiffusante. La grille antidiffusante est utilisée pour augmenter la sensibilité du film. La démocratie des écrans en projecteur qui sont utilisés pour le monde et constituer d'un écran fluorescent, c'est plutôt les écrans en projecteur, réduit le flux comme d'un fluide, joue un rôle important en radioprotection, ça n'a rien à voir, il ne protège rien, évite la décoloration du contraste radiologique. En taux de symétrie, le récepteur de l'image radio est un détecteur à gaz. Oui, ça peut être un détecteur à gaz ou un semi-conducteur. Hein. L'injection de produits de contraste est obligatoire, non. La dose reçue par coup est de l'ordre de celle d'une radiographie du thorax, non. C'est bien plus élevé, à peu près 10 fois même plus élevé. L'image numérique, oui. L'épaisseur de coupe est d'au moins 1 cm, non. Elle peut être de l'ordre du millimètre. Donc, vous avez ces deux bonnes réponses. L'image de scintigraphie est une technique d'image réparation. Des produits de contraste, non. Donne des images anatomiques et de très grande résolution, non. C'est des images fonctionnelles qu'on en a, oui. Donc c'est D, à quoi c'est l'enseignement fonctionnel. Utilise des émetteurs bêta moins, non. C'est plutôt des émetteurs gamma. Bien. Bonne réponse, comme le mal. L'iode 131 est un émetteur gamma et bêta moins. Le bêta moins, il ne sert absolument pas à l'image. C'est le rayonnement gamma. Le bêta moins est dangereux si vous voulez faire de l'imagerie, c'est pourquoi on doit réduire la dose à 100 microfluides tout à l'heure. On l'a dit. Et si c'était l'iode 33, je vous ai dit qu'il y avait le gamma pur, on peut aller jusqu'à 2 millicules. Il n'y a aucun problème. Donc le bêta moins ne sert pas à l'image. Par contre, si vous voulez traiter une maladie banale, une odile toxique, un boîte des produits globulaires toxiques, un cancer de la thyroïde, vous avez besoin du bêta moins d'ailleurs. Donc le bêta moins, il ne sert qu'au traitement. Si vous voulez faire des images, il vous faut un émetteur gamma. Si vous voulez traiter, utilisez un émetteur gamma. Bêta moins. Et le bêta plus, il nous donne une image. C'est quoi comme image? Le PET scan. L'imagerie scintigraphique traduit l'atténuation du rayonnement émis par le radiopharmaceutique par les différentes structures traversées. C'est plutôt l'action des. En imagerie radiologique, l'atténuation, c'est plutôt les rayons X. Et en scintigraphie, on utilise la concentration radioactive. C'est le reflet de la concentration volumique de la radioactive. B. Permet une analyse anatomique très fine. Non. Permet une étude fonctionnelle d'organes explorés. Oui. Utilise des radiopharmaceutiques et des thermomètres. Non. Et obtenu par des détecteurs NAITL. Oui. Parce que les gamma caméras sont basés sur des détecteurs
à l'iodure de sodium activé au thallium. C'est ça la détection par, pour la médecine nucléaire. Ce qui n'est pas le cas dans le PET scan. Le PET scan, c'est des détecteurs à spectroconducteur. Alors que dans la scintigraphie classique, conventionnelle, c'est des détecteurs scanner-ITL. Alors, voilà ce que je voulais également faire avec vous. On l'a déjà fait, ça va arriver. Énumérer les risques stochastiques, les vents stochastiques, des vents ionisants. Je rappelle, stochastique, ça veut dire aléatoire. Ça veut dire incertain. Donc, dominé par l'apparition des cancers radioactifs. C'est également dominé par les anomalies congénitales qui peuvent apparaître dans les générations chez les parents qui ont été irradiés. Ce n'est pas le virus qui est irradié, c'est les gamètes qui ont été irradiés. Et quand l'enfant naît, il va pouvoir avoir une anomalie. À ce moment-là, c'est aléatoire. Ok ? Donc les risques. Et les risques stochastiques, ce sont les risques dominés par les cancers chez les personnes irradiées et les anomalies congénitales chez les descendants dont les parents ont été irradiés. Mais l'irradiation du virus humain, c'est un effet certain, déterminé. Pour certains, ça peut être, bien sûr, l'apparition d'un cancer qui tardivement un virus qui a été irradié dans le ventre de sa maman et qui développe un cancer de la thyroïde, c'est peut-être un événement. Ça peut être. Donc, non stochastique, ça veut dire effet déterministe, effet certain. Alors, la question que vous pouvez vous poser, après tant effet stochastique, je viens de le dire, effet non stochastique, quelles sont les caractéristiques des effets stochastiques et non stochastiques? On les a donné tout à l'heure, ça va aller. Alors, c'est pour dire quelle est la part de l'irradiation naturelle par rapport à l'irradiation médicale. J'ai cette diapositive. Regardez l'irradiation naturelle. Ça, c'est le radon. Effectivement, pas cher. Mais bien que maintenant, c'est à la mode. Une fois que je suis il y a un cadre. La cadre, ça veut dire beaucoup de radon. Parce que le radon est un gaz lourd, rare. C'est, ça existe sur les corps terrestres, mais pas dans les régions sablonneuses. C'est là où il y a des roches poreuses, où il peut se concentrer. À ce moment-là, plus on est proche de la croûte terrestre, plus on a du radon. Donc, le radon est lourd. Il est plus proche. Et ça représente l'irradiation la plus importante naturelle. Il y a une autre, les irradiations télluriques, qui nous viennent des corps de la Terre, bien entendu, les irradiations cosmiques. C'est le Soleil qui nous l'envoie, 9%, et le corps humain. 6%, ni le corps humain. Jusqu'au contre le tel le carbone, vous avez du potassium 40. Tel que le salade, vous avez du potassium 40. Et bien, votre organisme qui convient de la réponse. Si on compte des femmes, c'est pourquoi ce n'est pas un. Tout cela correspond à peu près à 2,5 millisieverts par an. À peu près. Voilà, on est là. De la médecine. Regardez combien on est en train de vie. Regardez l'industrie nucléaire, c'est-à-dire en Europe, là où on utilise le nucléaire par les réacteurs nucléaires. C'est rien du tout, c'est 1%. Les militaires, 1%, parce que de moins en moins on est vers les divers. Il y a des montres avant, ou même des peintures phosphorescentes qui peuvent contenir un peu d'éléments radioactifs et ça peut nous dire. Mais tout ce qui est artificiel, c'est essentiellement la médecine. Voilà, donc le naturel c'est 2,5 millisieverts. Il y a 1,1 millisievert par an pour le médical. Donc c'est là où il y a la possibilité d'action de l'espèce médical, c'est-à-dire réduire l'effet stochastique et l'effet non stochastique. Allez, on a un petit peu de ça très vite. Les additifs, je fais, on a vu. Il y a une courbe que je voudrais vous présenter, celle-ci. Alors, vous voyez cette courbe verte qui parle d'un phénomène qui est créé
connu, mais recherché par certaines personnes, qu'on appelle l'effet Swarovski, où on dit que la radioactivité, c'est comme la source de jouvence. Ma carte, la source de jouvence. Il reste toujours jeune, comme moi. Bon. Alors, il y a des personnes qui prennent de l'âge et on va leur conseiller d'aller vers les sources naturelles radioactives. Autant les mettre en une serre au rhumatisme de carte. Donc, il y a des lectures à la radioactivité. Il y a même un moment où, là, on leur vendait des crèmes radioactives pour avoir des chaises spéciales. Donc, l'effet hormésis, c'est l'effet bénéfique. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous irradiez, le risque est négatif. Donc, c'est l'effet bénéfique. Le risque est négatif. C'est l'effet bénéfique. Moi, personnellement, j'y crois. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cet effet hormésis. Je suis certain que la radioactivité, toute chose à petite dose à certains points de vue. L'homéopathie, peut-être parmi vous, certains qui sont un peu plus présents, mais certains d'entre vous, ils vont faire, malheureusement, une première fois, une deuxième fois, par exemple, le cours de la chimie, la phytothérapie, la chimie, l'homéopathie, etc. Et l'homéopathie, c'est traiter les choses comme des choses physiques. Malgré la diminution, de diminution, de diminution, les gens y croient, et ça fait du bénéfice. Donc, la radioactivité, elle fait partie de ces phénomènes. À petite dose, c'est bon. Et vous voyez la dose que je vous ai donnée tout à l'heure, quand vous voyez 200 millisieverts, c'est 100 millisieverts. Et pourquoi je parle de millisieverts? Regardez ici. Est-ce que j'ai le droit de dire la dose absorbée de l'air? Qu'est-ce que je dois dire? Dose? Efficace. C'est la dose efficace ou effective. Équivalente, ça ne tient compte que de la dose d'origine de l'événement, mais pas de la radiosensibilité du sujet. Or, la dose efficace, elle tient compte des deux, à la fois de la dose de l'événement et de la radiosensibilité du sujet. Donc, maintenant, les instances internationales limitent la dose efficace à 100 millisieverts. Au-delà de cette dose, on a une proportionnalité entre le risque et la dose. Plus vous recevez une dose importante, plus risque d'avoir des cancers induits et plus important. Alors, les effets aléatoires chez aléatoires d'événements ionisants, chez l'homme, sont caractérisés par l'apparition d'anomalies génétiques chez les descendants. Oui. Donc, les anomalies génétiques chez les descendants des parents irradiés constituent un effet aléatoire. L'apparition, la gravité est d'autant plus marquée que la dose de sucre est plus grande. Oui. La particularité entre gravité et risque, peut-être que vous ne le comprenez pas. Donc, c'est le risque ici, c'est pas la gravité. Non, on ne le prend pas. Une manifestation des effets plusieurs années a appelé l'irradiation, quel que soit l'organe. Oui. L'apparition d'un cancer dans les zones irradiées, oui, une fréquence plus importante chez la femme, non. On est tous équivalents vis-à-vis de cet effet aléatoire. Les effets stochastiques. Donc, effets stochastiques, c'est-à-dire les effets aléatoires. Les éléments immisants sur une population sont caractérisés par une gravité, sont caractérisés par une gravité proportionnelle à la dose délivrée. Non, on ne prend pas. Une probabilité de survie d'autant plus élevée que la dose de suie est importante. Oui, on prend. La mort cellulaire des tissus irradiés. Non, parce que l'effet stochastique, on ne parle pas de mort cellulaire, mais de cancer de l'œil. C'est ça le prédominant. L'apparition de malformations fœtales graves pour des doses, hein, de changer comportement, c'est bon. Parce que ce n'est pas les malformations qui arrivent, et puis, surtout après une dose, c'est des effets déterministes, et non pas stress. Le délai de la réflexion relativement long, oui, en temps. Donc c'est VDE. Alors, l'objectif écrit les bases de la radioprotection. D'abord, est-ce que je sais que ce que signifie la radioprotection? C'est protéger tout simplement les gens contre les radiations. Et me protéger moi-même. Alors, ça ressemble à la petite parmelette. Donc on se protège et on traite les gens. Quelles sont les bases de la radioprotection contre une radiation externe? Ah, l'irradiation, elle peut être suite à une contamination, quelqu'un
quelqu'un qui, malheureusement, a inhalé ou a ingéré ou a vu par une exfoliation d'un ou par une injection malencontreuse, voit le produit se concentrer dans son organe, dans son organisme, dans ses organes. Donc c'est la contamination. Voilà, comment organiser la lutte de protection? Donc là, toutes les questions sont peut éventuellement se poser. Alors, il y a un principe fondamental des instances qui contrôlent l'utilisation des radiations ionisantes, qui nous recommande les choses suivantes. Le problème, quand vous utilisez des rayons ionisants, comme dans le domaine médical, est-ce que c'est justifié? Est-ce que l'acte est justifié? Est-ce que quelqu'un dit, ah, j'ai une douleur ici atroce? D'un seul coup, quelqu'un s'est accusé avec un peu de fièvre. Et vous avez, parmi les hypothèses diagnostiques, une carte, vous avez un appétit. Est-ce que d'emblée, vous allez lui demander un salaire? La justification. Il y a des gens qui vont faire pas de salaire, parce qu'on voit mieux les contractualistes au jardin des résidents, mais tout est là. Par contre, en tant que scalaire abdominal, je suis sûr que c'est la seigneur qui va l'interpréter. C'est pas normal. Dire à qui rien pour avoir le diagnostic. Non, c'est pas le et puis je regarde. Il faut que je vois à ces images, en tant qu'affaire, comment, sur quoi on peut juger que tel ou tel. Mais il y a, on commence par les. Donc l'optimisation. L'optimisation, c'est-à-dire quand l'acte est justifié, on va entre faire de la tomodensitométrie, faire un abdomen sans préparation ou faire de la scintigraphie, c'est optimisé. Donc la technique ira par les différentes techniques dont nous disposons. Limitation des doses, donc justification, optimisation, limitation des doses. C'est pas la peine d'augmenter, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, pour la scintigraphie au sol. Si je peux la faire avec 15 millimètres, c'est pas la peine de donner ma. Alors, la radioprotection du personnel utilisant des rayonnements ionisants. Il y a des protections contre l'exposition et des protections contre le risque de contamination. Vous avez une source radioactive, elle est là. Il faut d'abord utiliser l'hygiène pour la. La source ne doit pas être au contact de la personne qui travaille sur l'hygiène. Si possible, utiliser les écrans, parce qu'on a cette relation. Si vous avez la possibilité, vous avez l'obligation de garder le patient, vous pouvez utiliser des verres au plomb. Des verres dont la densité est assez importante, qui vont donc atténuer les rayons. Et vous avez la possibilité de supprimer. Vous pouvez manipuler le patient derrière un paravent plombé. Cette fenêtre est plombée et vous avez la possibilité d'amener vos bras de part et d'autre et vous êtes protégé. Vous avez la possibilité éventuellement, si vous êtes obligé d'être en contact, vous n'avez pas ce paravent, de mettre un tablier au plomb. Donc l'écran, c'est fondamental. Première notion. Ça, c'est pour le risque de l'exposition externe. La source est extérieure. C'est-à-dire, soit que c'est le tube, soit c'est la source radioactive dans le patient lui-même. Puis la distance. Plus vous vous éloignez, mieux c'est. Parce que l'air est un milieu intérieur. Un, deux, le rayonnement, quand il va sortir, il va diverger. Donc plus vous êtes proche, plus vous êtes dans le col, dans le sommet du col, vous concentrez le rayonnement. Plus vous êtes loin, vous êtes au niveau de l'élément de ce faisceau. Donc, la distance, c'est la loi qu'on a sur le pied au. Et enfin, le temps. Travailler. C'est pas la même chose qui vous aide à mourir en carte. Mais il y a des personnes, comme vous l'avez dit, vous avez essayé au système de bonne langue de cachet. Une fois que vous lui avez donné les 100 millimètres en carte, vous avez tout les cas. Bye bye. Bien sûr, je l'ai choisi que vous avez. Mon Dieu. Ça va bien. Donc, n'oubliez pas le temps. Par conséquent, les nerfs sont retenus pour la protection contre les radiations externes. Qu'est-ce qu'il y a? L'écran, la distance et le temps. Réduire le temps. Alors, pour le risque de contamination, c'est surtout le fait de travailler avec des sources qu'on appelle des sources
c'est-à-dire une source radioactive dispersable. Vous prélevez dans un flacon une quantité de radioactivité et d'une manière malencontreuse, dans un tas de pistons, vous le produisez à l'écrit. La radioactivité est sur. Alors, à ce moment-là, le meilleur moyen de se protéger contre toute contamination radioactive est la touche. La vidéo, ou la grâce, la tchèque, il faut que ça vienne, que tout ça, ça travaille dans une hotte, dans une enceinte plombée. Donc j'ai la possibilité d'introduire mes mains par des ronds et je regarde ce qui se passe et ce que je suis en train de faire à travers cette vide plombée. Donc je ne gagne pas mes cristallins, c'est pas la peine que je regarde, parce que là, n'oubliez pas, le cristallin a pris 20 ans, donc on a pris 10 ans d'irradiation, on peut développer une cataracte. Donc la protection contre les risques de contamination, c'est essayer d'utiliser tous les moyens qui nous permettent de ne pas être en contact direct, notre peau, notre bouche, notre respiration avec la source radioactive. Comment contrer le personnel? Le personnel est contré par des dosimètres, soit des fils, soit des barres, comme ici, soit des stylos qui vous donnent carrément quoi de des montres. Hein, ils déplacent les montres. Là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a pas de diamant là-dedans, mademoiselle. C'est pas du diamant. C'est un petit cristal de fluor et de lithium qui ne coûte pas cher et qui est un cristal qui absorbe les rayonnements ionisants. Il les garde en souvenir, comme un cristal. Seulement, quand vous le chauffez, il va vous donner une lumière dont la quantité est proportionnelle à la dose reçue. Donc vous savez combien vous avez reçu. Vous regardez le développement. On a un laboratoire qui le fait. Pour ça, c'est un laboratoire en France qui le fait. Le développement, c'est un film, c'est une émission photographique qui va être noirci, d'autant plus noirci que le rayonnement reçu est plus important. Et ça, c'est un dosimètre, comme un stylophage. Vous l'accrochez. Et il y a tout simplement un écran, vous voyez ici, qui vous permet de lire quelle est la dose que vous avez reçue en live, instantanément. Vous restez une seconde, il vous donne ce que vous avez reçu pendant une seconde. Vous restez une heure, il vous donnera la dose reçue pendant une heure. Et donc ce sont les dosimètres. Là, ce sont des dosimètres opérationnels intuitifs, comme ce dosimètre. C'est quelque chose de plus sophistiqué. Alors, la mesure de protection de l'environnement. Tout d'abord, l'eau. Et puis, la gestion. Il y a une hiérarchie obligatoire. Obligatoire. Et il faut surveiller les zones avec des outils comme ce qu'on appelle un surveillance ou bien une forme d'ionisation ici, qui permet de mesurer les doses et elles doivent être. Ou le débit de dose, il doit être inférieur à 25 microsieverts par heure. Je connais. On ne doit pas dépasser 20 microsieverts par an. Et 25 microsieverts par heure, c'est considéré comme la dose, le débit de dose, acceptable pour monsieur tout le monde. Si dans un local où il y a des gens qui attendent, on attend de leur examen, qui dépassent cette valeur, vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi tunisienne. Dans les salles où vous voyez le terre, comme celui-là, en principe, si vous n'avez pas votre dosimètre, vous n'avez pas le droit de percer, sauf si vous êtes un micro. Parce que si lui qui vous invite, il sait que dans cet endroit, au moment où il vous a invité, il n'y a pas une dose qui dépasse de 0,25 millisieverts par heure. Donc même si vous venez chez vous, on ne dépasse pas ces autres. Sauf la salle d'injection, où on peut dépasser. La salle d'attente, quand il y a 10 centigrades Celsius qui attendent, alors là, bonjour, ça fait pas mal. Les déchets radioactifs, c'est une gestion bien entendu très particulière, mais considérez qu'on a le droit de jeter un produit qui a été utilisé comme produit radioactif au bout de 10 périodes. Si je sais que j'ai utilisé le technicien a une période de 6 heures, ils vont avoir pour un la période. 60 heures. Pour ne pas dire 72 heures, 60 heures. Donc, au bout de
60 heures, il est considéré comme de l'eau que vous avez et de l'eau vivée. C'est la même chose. Il n'y a pas de rétroactivité. Donc 10 périodes est considérée comme le minimum de temps de confinement des sources radioactives avant de les jeter sur les décharges publiques. Voici les zones, comment elles sont cataloguées. Donc, dans la zone publique, vous voyez, on peut aller jusqu'à 7,5. Moi, j'ai dit, j'étais plus strict, 2,5 microsievert. Et plus les doses augmentent, 25 microsievert, la zone jaune, allez, vert, tout ça, c'est pour le public, il n'y a pas de problème. À partir de la zone jaune, elle n'est autorisée ou permise que pour les hommes, les personnes qui ont choisi de travailler dans ces locaux, parce qu'il y a un risque, et ceux qui portent donc les moyens adéquats pour déterminer la dose. Alors, je vais y aller. Alors, l'effet sur l'embryon et le vide. Je vous l'ai dit, donc déjà, pendant la période de nidation, pendant les deux premiers mois, on est beaucoup plus large en fonction du premier semestre, et puis la période d'après. Alors, je crois que c'est une diapositive intéressante. La question qui se pose, on nous la pose à nous, mais vous devez la connaître également. Alors, docteur, que faire en cas de radiation? Est-ce que c'est une radiation médicale ou c'est une radiation accidentelle? C'est la question que vous devez poser. Si c'est une radiation médicale, pour une femme enceinte, inférieure à 50 millisieverts, alors comment vous pouvez le savoir? Il suffit de lire des tables. Maintenant, vous pouvez écrire sur Google une radiation à 50 millisieverts ou un pichet de dose reçue pour un pichet thoracique. Dose reçue pour un pichet du poignet, parce que la dame a eu une fracture du poignet, elle est enceinte. On ne sait pas, il faut bien lui faire une maladie. Allez, Google. Là, c'est justifié de faire. Il faut faire, parce qu'on va poser le plat. Et on doit faire le fait pour savoir ce qu'on a mis en place. Et j'ai des amis, qui est radiologue, l'orthophiliste, cette femme est enceinte, elle a eu deux pichets. Sûr. C'est une irradiation médicale. Chauve, ou un mot. Elle va recevoir moins de 50 millisieverts. Mais attention, c'est au niveau du poignet. Madame Chavez, elle a besoin d'un blouse à pomper ou elle est là. Ou que Chavez, par rapport au faisceau. Vous devez avoir ça. Si elle était comme ça, pour le faisceau, elle ne serait pas. Non. Donc, pour vous donner que l'irradiation, les conditions d'irradiation, si c'est supérieur à 200 millisieverts, maintenant, je vous ai dit, rappelez-vous, 100 millisieverts, l'intervention. Mais pour décider de l'interruption de grossesse, c'est 200 millisieverts. C'est une interruption thérapeutique de grossesse, une ITG. Ce n'est pas volontaire, c'est indiqué. Alors, 200 millisieverts, peut-être un scanner abdominal et je vous donne facilement. Le problème est que la femme ne sait pas qu'elle est enceinte, bien qu'elle ait été cataracte, et le médecin n'a pas posé la question, ni le technicien. Il y a, la semaine dernière, il y a une technicienne de radio, stagiaire. Elle vient me voir, alors les techniciens qui travaillent avec nous dans le service depuis des mois, des années, n'ont pas posé la question. Elle vient me dire, monsieur, la dame, elle est venue pour une scintigraphie rénale. Donc le premier va être concentré au niveau des rats, par conséquent il faut cliquer et il est dépendu de terre, et dans la vessie. Donc, allez, il y a une radiation externe. Maintenant, est-ce que c'est une radiation externe? Alors, si c'est une radiation externe et accidentelle, souvent ce sont des irradiations importantes. Alors, si on considère par les calculs dosimétriques de notre courant, c'est-à-dire qu'on va savoir à quelle distance le malade se trouvait, on a pris la prise de mesure, on sait quel est le produit, quelle est sa période, etc. On peut estimer que la dose reçue est de l'ordre de 1,6 millisievert. C'est une surveillance climatologique. Pourquoi?
parce que là, il peut y avoir une aphasie médulaire transitoire. Je me chauffe les plantes qui baissent très rapidement, troisième jour, les globules rouges qui vont baisser au bout de 3-4 semaines, les plaquettes au bout de 2 semaines, etc. Donc, vous faites une tumeur. Si ça ne remonte pas, attention, vous vous êtes trompé. C'est pas 1,5, c'est tellement plus. Parce que si c'est supérieur à 1,5, il faut hospitaliser. Hospitaliser. Et là, il faut préparer le malade pour le tumeur. Vous savez, il faut faire une aphasie médulaire définitive. Si c'est une contamination, alors, textbook, la contamination, ça veut dire qu'il a peut-être reçu la radioactivité sur ses vêtements, ou le hajim, bien sûr. Et puis vous le mettez sur la douche. Surtout, parce que le prochain, qui a le poids, le produit, il va se mettre sur la peau, il ne faut pas dérater pour faire des blessures, et le produit s'intercroise. Donc, doucement et avec des détergents puissants. Il y a des chélateurs de ces produits radioactifs qui vont prendre la radioactivité et vous allez l'évacuer. Si possible, ne pas la mettre dans le réseau de l'olasse. Il faut collecter le produit radioactif ailleurs dans une tube et laisser des poils. Donc, si le sujet a avalé ou a inhalé ce produit, il faut absolument savoir quelle est sa nature pour savoir. Si c'est du strontium, c'est très dangereux parce que ça va se fixer sur l'os. Et pour l'enlever de l'os, ça pose un problème. Par contre, si c'est des produits qui peuvent être chélatés dans certains organes comme le poumon, le foie, les reins, vous avez la possibilité d'utiliser pour dégager. Donc, vous faites l'utilisation de chélateurs. L'iode 131, par exemple. Dans ce qui est le cas de Tchernobyl. Dès qu'on a entendu parler de cet accident, il va falloir distribuer à toute la population la plus proche de l'iode stable, saturé, la thyroïde pour éviter que l'iode radioactif ne vienne s'incorporer. Comme l'iode, la thyroïde est saturée, on ne le prend pas depuis, comme artiste.